depuis que l'armée nationale libyenne a révélé l'intervention de la grande Turquie qatarée dans son pays, à travers le soutien des milices terroristes, bourrées de le gouvernement de Louis Fak, dirigé par Vaïd Sarraj, à détruire les forces libyennes. Alors le peuple libyen a soutenu son armée contre le terroriste soutenu par Tamim Erdogan dans leur pays. Les chefs de la ville libyenne, Zintan, ont annoncé le soutien des tribus de leur ville à l'unité contre l'ingérence de deux régimes terroristes du Qatar de la Turquie dans les affaires de leur pays par le soutien aux groupes terroristes et aux organisations extrémistes. Bilaïd Ishir, le conseil auprès des commandements général de l'armée nationale libyenne pour les affaires sociales, a déclaré que la visite des chefs de la ville Zintan au commandement général des forces armées libyennes confirme le soutien de la ville à l'armée nationale dans la lutte contre les milices terroristes. Ils ont confirmé que le chef des milices terroristes Oussam Joueli et ses milices armées ne représentent pas leur ville ou leur tribu. Et ceux qui le soutiennent ne nous représentent pas. De nombreux gens de la ville ont rejoint l'armée nationale libyenne en tant que des forces de soutien afin d'aider l'armée nationale à la lutte contre le terrorisme. La déclaration du trouvé Zintan de son soutien de l'armée nationale libyenne vient à un moment où le projet de Tamim et de son allié Erdogan se multiplient. Visant à protéger le gouvernement de Louis Fak, suivi des frères musulmans, dirigés par Vaïd Sarraj, détruire les territoires libyens.